À toutes et à tous, bonjour et merci de préférer l'émission Prime Politique de ce matin. Nous recevons pour vous Dr. Mohamed Awali Akintola. Il est le coordonnateur national du mouvement de la jeunesse FCBE. Alors, Dr. Mohamed Akintola, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, avec l'invité, il nous parlera de comment les FCBE se prépare en ce qui concerne les prochaines élections législatives au Bénin et particulièrement euh, l'adhésion euh, ou bien l'atterrissage de l'ancien député Guy Mitoque au niveau des démocrates. Une fois encore, bonjour, docteur. Merci, Monsieur Mbadi, pour l'invitation. Alors, vous, particulièrement au niveau des FCB, comment est-ce que vous vous préparez pour les prochaines joutes électorales au Bénin? Comme vous le savez, la période électorale dans toute démocratie, c'est la période de jauge et d'évaluation du travail que les partis politiques, les leaders politiques ont fait sur le terrain. Donc c'est une occasion pour nous de, de prouver la présence et le contrôle du terrain de notre formation politique, la FCBE. Nous l'abordons avec euh, enthousiasme, mais aussi avec sérénité. On se prépare très bien. Euh, la FCBE a déjà pris le tour par les cornes depuis des mois et a établi son propre calendrier, puisque dans le code électoral, dans la charte des partis politiques, euh, les grandes lignes ont déjà été données. Donc, il euh, y a une commission de réflexion sur la législative qui avait été mise sur pied, qui a travaillé à l'information sur le terrain dans la différentes circonscriptions électorales euh, pour le recensement des potentiels candidats. Puis ensuite, il euh, y a eu le travail sur les éléments de langage pour la campagne électorale. Euh, ensuite, ce comité ayant rendu son rapport, un autre comité a été mis sur pied pour la réception et le traitement des dossiers de candidature. Ça. Donc, euh, Alors, l'ouragan des démissions qui s'observe depuis peu, est-ce qu'au niveau des FCB, vous en avez vécu c Ça se passe très bien aussi, comme chez vous. Comme euh, aussi. Bien sûr, bien sûr. En fait, vous voyez, c'est un cirque qu'on observe toujours à la veille des élections législatives, puis les présidentielles ou même encore communales. C'est une question de, de perte de vue de l'intérêt du peuple et de ses propres intérêts égoïstes. Bon, je ne suis pas là pour juger, j'apprécie juste ce qui se passe. En ce qui nous concerne à la FCB, nous avons connu des démissions, nous avons également connu des adhésions, comme euh, tous les autres partis politiques d'ailleurs. La manière dont nous prenons tout cela, c'est que, euh, je l'ai dit une fois déjà de, à un de vos collègues, lorsque la feuille tombe de l'Iroko, cela ne branle pas ses racines. Alors, parlant toujours des, des préparatifs au niveau des FCB. est-ce que les pièces nécessaires qu'il faut, à savoir euh, le quitus fiscal euh, au niveau de la DGI, est-ce que ça se passe bien à votre sein Est-ce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, beaucoup ont pu euh, réussir euh, ce, ce système-là Oui, beaucoup de nos potentiels candidats ont déjà reçu leur euh, quitus fiscal. Certains, Le processus est encore en cours pour euh, certains. Nous suivons cela de très près parce qu'il arrive parfois que nos potentiels candidats dans les diverses circonscriptions électorales ne soient pas forcément disponibles ou aptes à faire la demande en ligne et tout ça. Vous savez que le numérique pour nous aujourd'hui au Bénin, c'est nouveau en fait. Absolument. Et notre génération des 80 et autres y est plus habituée. Et nos aînés, pas évident. Donc euh, le mouvement de la jeunesse que je coordonne a pu mettre également des petites cellules sur pied. Pour accompagner nos potentiels leaders dans leurs différentes circonscriptions. Accompagner toujours les différents leaders, euh, tout, de, tout ceci en toujours dans le cadre des élections. Parlant de des élections, au niveau euh, de vos bases respectives, qu'est-ce que vous dites à vos leaders de base en ce qui oh. pour contribuer toujours à la pacification, à la paix et à la cohésion nationale dans cette fête nationale que nous entendons vivre bientôt euh, la position de la FCB a toujours été claire. La FCB est un parti de non-violence. C'est un parti de construction. Nous assumons notre appartenance à l'opposition. Nous sommes d'ailleurs le chef de file de l'opposition. Euh, nous demandons déjà, et ça, ce n'est pas aujourd'hui, on a commencé il y a longtemps, bien avant même euh, toute cette ferveur des élections législatives, à faire comprendre à nos populations à la base que le seul moyen d'exprimer sa voix, de la porter dans une démocratie, c'est d'abord d'aller voter. c'est un devoir citoyen. c'est pas un privilège. c'est d'abord ça, puis ensuite de permettre aux autres également euh, de donner de la voix. ne pas les empêcher d'aller voter. si vous arrivez par la persuasion, par votre personnalité, à avoir des partisans pour votre cause, tant mieux. la contrainte ne fait pas partie de euh, nos modes de fonctionnement. donc, nous leur demandons déjà, euh, D'apporter cette période dans la sérénité, dans le calme, voilà. dans le respect de l'autre. On en a besoin. Pour que nous ne revivions plus ce que nous avons vécu en 2015. On reviendra plus, comme 2020. vous l'avez dit, on le souhaite ouais. vraiment. Alors, tout dans ce même registre, l'ANIP ouais. et, et travaille depuis peu, toujours pour euh, la transparence, toujours pour aller à une élection euh, de paix. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites aussi pour vos électeurs ou bien vos militants de base, je dirais d'abord, euh, pour qu'ils euh, puissent finir cette formalité-là en ce qui concerne les, les probables transferts d'un bureau de vote à l'autre et d'un lieu à un autre euh, La SCB est très active sur ce terrain-là parce que si vous n'avez pas, euh, excusez-moi, votre sésame pour participer aux joutes électorales, il sera difficile de donner votre voix à votre parti politique. Déjà, lorsque les communiqués sont passés pour demander aux gens d'aller. Et s'inscrire sur la liste de Ravip et tout ça. Dans toutes nos circonscriptions, nous avons euh, mis en branle euh, toute une campagne avec les gongoneurs traditionnels, avec les communiqués à la radio, avec euh, des messages qui circulaient sur les réseaux sociaux pour demander à nos militants, en particulier et à tout le peuple béninois de façon générale, de se rapprocher des équipes de la NIP qui se trouvaient dans les arrondissements. Les gens ont répondu très favorablement. Nous en avons aidé, nous avons suivi. Euh, la liste a été affichée, on a, comme vous aussi, constaté, oui, constaté toutes les irrégularités bien. qui ont émaillé cela. Euh, ce n'est pas le moment peut-être d'en parler. Non, Je pas non, trop. non, non, on n'est pas le qualifié pour apprécier irrégularité euh, ou non. C'est euh, vous qui êtes acteur politique, c'est vous qui connaissez. Effectivement, vos, parce que euh, vos militants de base et tout. Il, il se bon, fait voilà. que souvent ces irrégularités ne pénalisent qu'un camp et en avantage d'autres, malheureusement. De Toutes les manières, nous actuellement nous sommes en train d'encourager de, nos militants à la base à travers des communiqués, et ainsi de suite. C'est le seul moyen que nous avons d'ailleurs de okay. leur demander de vérifier leurs euh, postes de vote, de s'assurer qu'ils sont réellement répertoriés. Et pour oui. ceux qui dans des la période, des testos, dont... en 10 long. Même des testos, des messages viennent à tout bout de champ, à tout moment pour permettre à tout le monde de faire ce voilà. qu'il a à faire. Nous en faisons le relais. Pas il il y a bien, qui a bien sûr, nous en faisons également un relais. Afin de toucher les populations à la base, pour que pour dans la période des élections, pour ceux qui ne seront pas disponibles, qu'ils puissent opérer déjà des transferts de bureaux de vote, afin que leur voix ne soit pas perdue, car tout béninois, aussi petit soit-il, s'il a l'âge de voter, a le droit de dire ce qu'il pense par rapport à la gestion de notre cité. Alors, pour aller sur l'actualité très rapidement, euh, l'ancien député Guy Mitope oui. a fait son atterrissage au niveau des démocrates hier. Alors, votre avis en tant qu'acteur politique et, et un leader politique aussi, s'il vous plaît, je m'exprime ainsi. Merci beaucoup. En fait, euh, la déclaration d'adhésion de l'honorable Guy Mitokwe euh, aux démocrates euh, n'est pas un événement. Ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire Ce n'est pas un événement parce qu'on euh, n'a même pas besoin d'être politologue hein, pour voir le schéma. Je vous donne quelques clés. Oui. L'honorable Guy Mitokwe, qui a fait partie de la résistance avec euh, son mentor. Azanaï, Azanaï, avec oui. les anciens présidents Yaïbouni et, et Nice-Fort donné Soglo, qui démissionne de Restaurer l'Espoir. C'est ça. Et qui tient des rencontres avec des jeunes, avec ses partisans. Et une rencontre dont je me rappelle à l'université vie oui. où il chante les louanges du prince du moment. C'est ça. Et les journaux ont titré qu'il était en train de viser la mouvance. C'est ça. Puis ensuite, il revient. À la charge pour dire qu'il demeure de l'opposition. Du coup, vous avez déjà un café au lait. C'est un bon mélange. D'abord, qui n'est pas noir, qui n'est pas blanc. Euh, oui. Le seul parti qui se dit de l'opposition, oui. permettez-moi de le mettre en griffe, qui se dit de l'opposition et qui oui. pourrait correspondre à ce schéma-là, oui. c'est bien sûr les démocrates. Donc nous, ça ne nous étonne pas. Je dis que c'est bien les démocrates. Pourquoi ça dit que les FCBE ne sont pas de l'opposition pure. Justement, c'est l'inverse que vous deviez comprendre. Si les FCBE n'étaient pas de l'opposition pure, L'honorable serait peut-être venu à la FCBE parce qu'il a bien montré qu'il allait vers un parti qui est chauve-souris. Ni le... oiseau, ni souris. Je vous explique. Oui, allez-y. Nous avons une charte des partis politiques oui. et un code électoral qui dit que lorsque vous êtes un parti de l'opposition, vous déclarez de l'opposition. Oui. Lorsque vous déclarez de l'opposition, aucun parti politique ou aucun leader ou membre d'un parti politique ne doit accepter des nominations politiques s'il est de l'opposition. Mm -hmm. Et nous avons remarqué tout dernièrement le, le concubinage oui. entre les leaders du Parti des démocrates oui. et du pouvoir en place. Le président Yaïboni qui se fait nommer médiateur oui. en Guinée. Nomination politique, oui. pas administrative. Oui. Défi si on devrait appliquer la loi. Oui, C'est-à-dire que le, les démocrates... président, le président donne euh, d'office de l'autre côté. Merci beaucoup. Dit. Merci pour la conclusion que vous m'avez attirée. Je n'en ai pas tiré, je vous et le puis, demande. Puis, et puis... Et puis euh, toute cette période-là, mm -hmm. les leaders de cette formation politique ne se prononcent pas en fait sur cette ambiguïté. Un mm -hmm. parti qui s'y dit déjà mm -hmm. euh, non de l'opposition, en, en ce qui concerne la paix recherchée, en ce qui concerne la réconciliation, en ce qui concerne et, 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 la paix simplement, ce que nous souhaitons. Bien la sûr. La décrispation de, de la tension politique. C'est vrai. Le chef de l'État l'a beaucoup prouvé à travers ses rencontres avec ses aînés. Oui. Je vous dit, les anciens présidents de la République à savoir et, et, et et le président Soglo et président Yambo donc je ne trouve pas en quoi c'est gêne. Euh, en fait lorsque vous, vous pouvez faire des concessions oui. mais vous ne faites pas des compromissions lorsque vous êtes en politique, c'est-à-dire qu'il il a fait, c'est ça C'est ce qu'il a fait bien sûr. C'est votre avis hein. C'est en fait c'est d'ailleurs l'avis de tout le monde, je ne fais que relayer ce yes, qui se yes, dit. Yes, yes, en yes. fait, il n'y a pas il y a il y a qu'il faut assumer ses positions. Oui. La vivacité d'une démocratie oui. repose sur le fait qu'il y ait des gens qui gèrent et des gens qui assument critiquer la gestion. Voilà. Et vous ne pouvez pas critiquer une gestion à laquelle vous avez participé. Ça veut dire simplement que le président d'honneur des démocrates et les démocrates ne sont pas en phase. Je vous suis Je laisse bien. chacun tirer ses conclusions. Tout ce que je remarque, c'est oui. que le grand frère Mitokbe a rejoint euh, un parti qu'on dit de l'opposition, mais oui. tout le monde peut apprécier réellement la position de ce parti politique-là sur l'échiquier national. Je ne parle encore pas de la nébuleuse de 2021, qui, je le dis et je le répète, va finir Mais... par s'éclaircir très bientôt. ok Est-ce que les, les leaders au sein de votre parti FCB n'ont pas attendu la main au, au député Guy pour, pour quand même l'accueillir, j'allais dire Le député Guy lorsqu'il a démissionné de Restaurer l'espoir, s'est rapproché des différents partis politiques, les a consultés. C'est ça. Nous ne l'avons pas vu à la FCB. Okay. Nous estimons donc que la FCB ne fait pas partie des partis politiques qui peuvent le recevoir et euh, il ne revient pas à un parti politique d'aller démarcher quelqu'un. Absolument. Pas du tout. Nous avons nos idéaux, ceux qui... Et nous sommes bien... droits. Vous avez besoin côté. quand même de l'addition et de multiplication. Pourquoi ne pas aller à la quête des valeurs de... Euh, plus comme sûres, comme des valeurs plus sûres, plus convaincantes nous rejoignent au jour le jour. Cela est largement suffisant. C'est-à-dire que Gimitopé ne pèse pas selon vous pour faire le poids. C'est vous qui le dites, c'est subjectif, ça chacun a son avis. En tout cas, alors, il est difficile de, de, euh, de voyager ensemble lorsque vous n'allez pas dans la même direction. Alors, désormais, la Sénat a interdit que les partis politiques viennent remplir les formalités au sein de l'institution. Et comme on l'avait connu par le passé, euh, c'est là où beaucoup de partis politiques viennent remplir les, les, les dernières formalités ou bien les derniers réglages, je dirais, et autres. Désormais, ce ne sera plus le cas. Alors, comment est-ce que vous percevez une telle décision de la Sénat pour ma part, c'est une bonne décision. Je m'explique. En fait, il faut qu'on mette un peu de sérieux et de rigueur dans la manière dont nous fonctionnons. Les partis politiques sont des institutions. Absolument. Et elles doivent avoir à l'intérieur... Ce n'est pas à l'État de faire le travail pour eux. L'État doit mettre à disposition tout le système, le mécanisme faciliter oui. l'accès. Il revient aux partis politiques et à leurs organes en de s'organiser, de mettre sur pied des unités de traitement, de réception, de collecte des dossiers, de s'assurer de la conformité. Comme ça, ça passe comme une lettre à la poste et il n'y a plus de "on a recalé tel dossier pour telle irrégularité". Oui. Lorsque vous allez à un examen euh, débraillé et non 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 préparé, vous ne pouvez pas vous attendre à un succès à la fin. Donc ça, pour nous euh, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les réformes engagées dans ce sens-là sont quand même euh, une bonne chose parce qu'il faut, fa faut, faut il faut il faut quand même euh, améliorer les choses et aller vers la, la, comment, la perfection. Certaines sont très bonnes, nous le reconnaissons et nous le chantons tous les jours. Bien sûr que oui. Comment <laughs> euh, Nous avons parlé tout à l'heure de la NIP. Oui. Le travail de l'ANIP ouais. qui, euh, quand, même, quand même, pour tout ce temps qui a été euh, euh, accordé à ce travail-là, ouais. pour toutes les ressources du contribuable qui ont été... Ça me dit qu'à la date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore satisfait du travail de l'ANIP au niveau des FCBE, c'est ça Nous faisons avec ce que l'ANIP a donné, puisque nous n'avons pas les moyens de remettre cela entièrement en cause. Mais au niveau satisfaction, vous n'avez pas notre 100% de satisfaction. Ok. Est-ce que... Pour le prochain rendez-vous, le dimanche 8 oui, janvier 2023, l'opposition ira aux élections. Nous avons participé à ce qui est plus grand oui. et à ce qui est plus bas. Nous avons participé aux élections communales de 2020. Oui. Nos dossiers n'ont pas été rejetés parce que c'était ok. Oui. Nous avons fait le job pour cela. Oui. Élections communales, on a plus de candidats, oui. mais c'est quasiment les mêmes pièces. Absolument. Puis ensuite, nous avons participé aux échéances présidentielles, payé la caution, organisé notre campagne électorale. Oui décompter nos voix, pourquoi est-ce que les élections législatives nous feraient réfléchir ou douter quant à la participation En ce qui nous concerne quand même, la FCB est prête. Elle okay. met les bouchées doubles. Et comme je vous l'ai dit, nous avons commencé très tôt. Ça. Vous savez, il n'y euh, euh, a pas meilleure préparation que cela. Euh, quand vous dites que vous êtes de l'opposition et que ceux de la démocratie disent également qu'ils sont de l'opposition... Il y a plusieurs partis de l'opposition. Oui, je suis d'accord. Mais, mais, mais les, les deux grands partis de l'opposition là, ces deux, ces deux grands partis de l'opposition-là ne sont. En tout cas, pourquoi il n'y a pas cette cohésion-là quand même, même Vous parlez tout de l'opposition. D'abord, d'abord euh, je, vais, je vais rectifier quelque chose. Oui, allez euh, euh, Je ne reconnais pas le Parti des démocrates comme grand parti de l'opposition. C'est déjà ça. Ah bon. Si la grandeur ne tient en fait que. À celui qui est peut-être le président d'honneur, qui a été président de la République pendant dix années, ok, oui. peut-être. Mais le président yaïbouni a été président d'honneur des FCBE plus longtemps qu'il oui. ne l'est pour les démocrates. Absolument. Donc on ne saurait prendre cela comme un critère. Oui. Mais lorsque vous parlez en fait d'investir le terrain, oui. de mettre de la rigueur dans le combat que nous faisons pour le peuple, le parti Les Démocrates est disqualifié de ce que nous pourrions appeler un grand parti de l'opposition. Il n'y a pas de jauge en fait pour cela. Le grand oui. parti de l'opposition, c'est le parti qui a participé aux élections en tant que parti de l'opposition et qui a su mobiliser le plus de voix des électeurs. Le qui, seul, c'est la qui, FCB. Et qui Maintenant, qui concerne, non. bien sûr, et, et, les, tous les autres partis, il y a plusieurs partis de l'opposition. Conformément à et, et, bien sûr, Bien sûr. Maintenant, quant à la question de pourquoi est-ce que oui. euh, on ne le cherche son... depuis ne doit pas ne, ne travaille pas pour unir. Ces acteurs là de l'opposition, quand -ce qu il dit du pas au sens strict du mot, mais faire l'effort pour le que... chef de file, oui. Le chef de file a fait beaucoup. J'en ai parlé déjà sur plusieurs plateaux. Oui. Le chef de file a participé à initier des cadres de concertation. Oui. On a même donné la primeur, parce que nous savons que nos frères d'en face évoluent beaucoup en matière d'intérêt personnel. Nous oui. avons même donné la primeur, oui. dans ce cadre de concertation-là, de, de, des partis de l'opposition, de tenir la tête. Okay. Mais comme à leur habitude, nous avons chaque fois été trahis parce que c'est à la dernière minute qu'on fait défection lorsque tout le monde y a mis toute l'énergie possible. Le temps de ce plateau ne nous permettra peut-être pas, ce sera pour Mais une autre occasion. Les... Mais ce que je tiens à dire quand même, c'est mm -hmm. que euh, le parti Les Démocrates, quand même, il faut le reconnaître, est oui. en train de se rapprocher de plus en plus de ce qu'on pourrait appeler une vraie opposition au Bénin. Et ils sont partis de l'opposition violente. Ils en ont détruit, c'est ce que vous voulez dire. On les faits parlent. L'opposition, quand elle n'est pas constructive, n'est pas une bonne opposition. Il faut qu'on intègre cette idéologie-là. Et là, je parle surtout de nous qui sommes la génération euh, montante. montante. Lorsque vous êtes dans l'opposition, oui. que vous avez détruit tout ce que. Ce n'est pas trop fort ce que vous dites. Là. Non, enfin, pas vous dites détruit. Euh... Les infrastructures publiques, oui. les voies communes. OK, ce n'est pas, pas grave. Lorsque à... vous le faites oui, et oui. que vous gagnez le pouvoir après, oui, oui. vous allez gérer quoi Ce que vous avez détruit ça va faire l'éternel éternel de recommencement. OK. Alors, au niveau du médiateur de la République, il a initié quand même une rencontre en faveur des acteurs politiques. Oui. Et toujours pour une élection... Et apaiser et, et tout ce que vous voulez. Alors, non, à présent, est-ce que les FCBE ils sont, ils bien, sont sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut garder Du, du lundi, du lundi à, à hier encore, okay. euh, des représentants du parti FCBE étaient avec le médiateur. Ça. Pour une période de 72 heures. Ouais. Nous avons toujours répondu présent d'ailleurs selon le calendrier du médiateur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme un menu euh, Nous avons continué comme à, à l'habitude à faire nos propositions. OK. Surtout pour une plus grande représentativité du peuple à travers les partis politiques, dans les instances et les structures qui vont gérer le processus des élections. Vous voyez, ça permet d'avoir plus de transparence et du coup, il n'y et, et, et a pas trop de suspicion. Il y a déjà cela. C'est très important. Je pense que la machine, de part et d'autre, tout le monde travaille pour que nous connaissions une élection. Oui, autre chose et, et aussi et que j'aurais des... bien voulu ajouter, si oui, vous le allez permettez, c'est oui. que les dernières élections ont oui. été un théâtre de, de beaucoup d'intimidation à l'endroit de nos populations. Et qui en est l'auteur? Je donne un exemple euh, terre à terre. Lorsque pendant une campagne électorale, oui. nous en avons connu plein plein, lorsque pendant une campagne électorale, oui. que vous avez, euh, vous êtes de l'opposition, vous rassemblez, vous demandez les autorisations au niveau de la police et ainsi de suite, et que dans les normes, les agents de sécurité sont censés rester à une certaine distance et n'intervenir que lorsqu'il y a trouble. Y a et ce plus... sont ces mêmes agents de sécurité-là qui se permettent de venir filmer ce que vous dites, de faire... Vous voyez, les, les... nous avons beaucoup connu ça. Nos, 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 militants, nos militants ont beaucoup été intimidés parce qu'on se dit, on est en train de faire rapport pour que ce que j'ai dit, la démocratie, okay. c'est le droit de critiquer. Nous ah. en avons fait les propositions également. Euh, aux médiataires au de la République, oui. pour que chacun fasse réellement son rôle okay. et que certains ne fassent pas ce qu'on ne leur a pas demandé. Okay. Et quand on demandera à certains, comme on le dit chez nous euh, euh, en Yoruba, mm. lorsqu'on te missionne oui. comme euh, un esclave, oui. il faudrait que tu puisses quand même y mettre un peu du tien et agir comme un enfant bien-né. OK. Alors, docteur Akintola, oui. un mot pour mettre un terme à cet entretien. Je ne peux que d'abord remercier vous qui êtes des médias et qui nous permettez d'avoir l'audience. Qui nous permettait de porter la voix de ceux que nous représentons. Déjà, merci pour ce travail énorme que vous abattez. Vous êtes également un pouvoir, le quatrième pouvoir d'ailleurs, qui fait vivre la démocratie dans tout le pays. Nous sommes sur ce chemin et vous avez tout notre soutien également en retour. Et à l'endroit de la population, je dis euh, retenez que les élections dans toute démocratie représentent le seul moyen pour tout citoyen de pouvoir exprimer ce qu'il pense. De pouvoir participer à la gestion de son État, donc de son présent, mais également du futur de ses enfants. Sortez massivement pour les élections prochaines. Votez par conviction. Donnez à vos réels représentants, ceux qui portent la voix du peuple, votre mandat, afin que la 9e législature soit réellement une législature multicolore où on puisse entendre différents sons de cloche car c'est de la discussion de l'échange que ressort l'idéal pour le consommateur final si doit parler en termes économiques et ce consommateur final c'est le peuple. Merci beaucoup docteur Akitola. Alors mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Prem News TV Bénin, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Prime Politique sur la roulette de DCC Communication.